qu'est-ce qu'il a ce système électrique? Est-ce que ça pourrait venir des moteurs auxiliaires? À moins que ça ne provienne des disjoncteurs. Si ça se trouve, ça pourrait bien venir des trucs ailés accrochés à l'avion. J'ai dit si ça se trouve. Je sais d'où ça vient! D'un horrible gremlin poilu qui existe! Il est là! Il a ensorcelé la nourriture! Un gremlin? Alors ce n'est pas l'avion le problème, c'est le monstre! Fred, il serait temps que tu t'installes à la place du pilote! Pour la conduite en souplesse, tu repasseras! Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Je démissionne! Oui, bon, y a quelqu'un ici qui saurait, prendre les commandes? Pas besoin! Air Gigantica est équipé d'un pilote automatique ultra moderne. Toujours prévoir un plan B, telle est ma devise. Maintenant que le Gremlin a traficoté le système électrique, mieux vaudrait qu'on ait un vrai pilote dans le cockpit. Sage précaution, comme je dis souvent, le plan B ne marche pas toujours. Pas de panique, on se calme, laissez-moi faire. T'es sûr que tu sais ce que tu fais? Non, oh, voyons, Vera. C'est le siège du pilote, non? Ça a toujours été ma place. Tout est sous contrôle. Ah ah. Et puis? Oh. Personne n'a mentionné l'obligation de dormir ici. Oh, mais Vera, ça va être génial! Ils sont si bons, ces biscuits. On devrait tout de suite remonter manger d'autres biscuits irrésistibles.